Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode 22 de ma campagne avec Cetral Impérissable et les Rois des Tombes. Ah bah tiens, toi t'as un niveau. Niveau 9. Ok. Alors, je vais faire ça parce que la mobilité de l'armée c'est quand même très sympa. Donc, l'objectif de cet épisode ça va être d'en terminer avec les ultimes défenseurs et ensuite voir si on peut s'occuper de ces deux armées qui possèdent chacune un livre de Nagash. Et puis je pense qu'on lancera la guerre contre ces elfes de Thor et la Sor. Ok, alors j'ai plein d'argent. Donc on va... Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas de garnison ici. C'est vraiment... c'est quand même très bizarre. Donc j'investis pas ici, de toute façon, je l'ai dit. Ça, on s'en fiche. Ça, on va le faire. Alors ça, oui. J'avais des gros bâtiments à faire. On va faire ça. Et ce sera tout ici, mais il faudra faire le reste un peu plus tard. Les rivières rouges, on va faire ça, comme ça on n'en parlera plus. Ok. Alors, qui ne s'est pas déplacé? Ici, il y a une armée, là? Ah, j'avais pas fait attention à ça. Allez, on va se détruire ça. Si on peut. C'est peut-être pas la meilleure des idées, mais bon. Toujours se méfier. Avec les... ce genre de tribu. Donc on va venir ici. Ok, donc ça c'est bon. Niveau 11. Qu'est-ce que je vais aller chercher? Ça c'est pas mal. Ça on s'en fiche un peu. L'argent coule à flot, hein, donc on va aller chercher ça. Avancer par là. Alors j'irai bien voir en fait comment ça se passe là-bas. Alors toi, il faut que tu reviennes dans ton armée. Ok, l'armée elle est là. Bon, ce qu'on va faire, tant pis. On va peut-être venir aider ici pour accélérer le mouvement. Là, on entoure. Alors, où est-ce qu'elle est cette armée? Ici. Donc l'idée c'est de surveiller cette armée là qui se balade chez moi. Et celle-ci qui va peut-être d'ailleurs m'attaquer. Bah écoutez, on passe le tour. J'ai un doute, faudrait que je vérifie quand même. Je crois pas que ce soit les mêmes, la même faction. Hein, donc je dois pouvoir les gérer séparément. Tiens, tiens, tiens. Ça, c'est pas mal. Je crois qu'on va faire ça puisqu'on est en train d'en créer pas mal. Alors, en termes de techno,
tous les 5000 on les a fait. On va peut-être faire ce genre de truc. Alors c'est quoi ça? Allez, on va faire ça. Toi, tu vas déjà venir ici. Ok, il y a une armée. On va venir ici. Encore une erreur, ça m'énerve. Toi, tu vas attaquer là. Ouais, j'ai mal joué le coup ici. Alors, est-ce que là, je peux prendre la ville? On peut. Ok, la province est sécurisée. Je n'ai rien perdu. On va faire ça. Et ici, on va faire ça. Bon, ça, c'est bon. Ah, là, j'ai merdouillé. C'est pas normal que je n'ai pas ni attaqué cette armée ni celle-ci. Donc du coup, elles vont se refaire. Donc là, il y a une armée. L'idée, c'est de savoir si... si on aurait d'autres à côté, ce qui n'est pas certain. Toi, tu vas par là. Ok. Alors, on enchaîne, hein. Ah, là, il y a pas mal de trucs à faire, donc ça, ça veut dire que je vais le détruire en fait. C'est quoi ça ? Intégrité et garnison. Animaux exotiques. On va faire ça pour l'instant. De toute façon, on les fera. On fera ça plus la... les murs. Donc là, j'ai tout joué normalement. Donc on va faire fin de tour. Forcément, c'est la course. Ok, c'est pour ça qu'il faut optimiser nos déplacements, quoi. Alors. On va peut-être enchaîner. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc les scorpions, ouais. Ça m'intéresse vraiment pas pour l'instant. Ça peut être intéressant. On va faire la frénésie. Alors, j'avoue que je sais pas trop ce que ça fait. Il faudra regarder ça. Donc ici, on va déjà faire ça. Et ensuite, on n'oubliera pas de faire... la tombe de l'Empire. Donc voilà. Là, on va optimiser mieux nos déplacements. Donc on va utiliser une des deux armées pour nous aider. Ouais, on n'arrivera pas à temps ici.
Donc on commence à récupérer des objets magiques, hein. C'est ça qui est un peu bizarre. C'est assez nouveau du coup. On va pas faire autre chose pour l'instant. Cetra niveau 34. Alors je sais même plus où j'en étais. Est-ce qu'il y a des choses que je dois récupérer? Ah, il y a des sorts ici, on va quand même aller les chercher. Attendez que je regarde mieux quand même. Alors c'est vrai que j'ai pas... Je l'ai pas amélioré physiquement. On va regarder ça de nouveau. Non, ça m'intéresse pas. Ça non plus. Ça éventuellement. Non, ça a aucun intérêt vu l'armée. Ça c'est pareil. Donc je crois qu'en rouge c'est bon, à moins qu'ici... Bonus de charge, c'est quand même pas si terrible que ça. Bonus de charge. Alors je dis bonus de charge, mais... Ah oui, après on... Bon, j'hésite. Je garderai un point pour le char, je le prendrai à la fin, je pense. Donc ça, c'est quoi? Un debuff. Ça, c'est quoi? Allez, on va lui rajouter des sorts. On va aller voir les autres ici. Donc là, on est bon. Donc il leur reste combien de villes d'ailleurs ? Trois villes. Ok, donc la décision est très proche. Bon, ça j'ai dit non pour l'instant. Alors ça oui, par contre, ça c'est sûr. C'est même une priorité. Non. Ça c'est pas une priorité, je pense. Ça on va le faire. Ça coûte pas cher et ça rapporte un peu d'argent. Ça non. Ça, on va le faire aussi. Alors, est-ce que j'ai assez? Non, j'ai pas assez. Il me faudra 6000. Ce sera donc au prochain tour. Qui ne s'est pas déplacé? Ah bah oui, toi. Tu vas aller où maintenant? Voilà. Alors, niveau 9, on va faire ça. Niveau 8, on va faire ça. Et toi, la vitesse c'est bon, donc on va rajouter un peu ceci. Tu vas récupérer ce machin. Ok, cette fois, je pense que j'ai tout joué. Sauf que... Du coup, j'ai gagné un peu de sous, donc on peut faire ça. Vraiment, tout se passe au mieux.
c'est où là? Je retraite. C'est peut-être la garnison de la ville en fait que j'étais en train d'attaquer. J'ai un doute. Enfin, de toute façon, on va régler ça tout de suite. Je me rappelais pas qu'ils me mettaient dans les événements. Ce genre de choses d'ailleurs. Ok. Donc ici. Riposte. Alors sachant que j'ai bientôt plus assez pour... bah oui, je pourrais en faire qu'un en fait là. Ça, ça me rapporte quoi? Alors une armée supplémentaire, c'est quand même pas négligeable. Écoutez, on va en faire un autre. Alors, on va prendre lequel? On va prendre peut-être celui sur les gardiens des tombes. Allez, on va faire ça. Et je pense qu'à partir de maintenant, quand on aura 150, on fera un de ces trucs-là. Quand on n'aura pas 150, on achètera des héros supplémentaires à 2500 pièces. Ou peut-être qu'on ira faire des choses comme ça. Il faut que je refasse un petit tour là-dedans, en fait. Ah merde, j'avais pas fait attention à ça. Bon, tant pis. 35, j'en étais où? Ah oui. Ouais, tout ça, c'est très très bon. Ah, toi, tu vas enfin être utile. Ça, c'est juste énorme. Après, on ira chercher les choses. Mais on a le temps de voir ça. Niveau 32. J'avais rien commencé. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? La charge, je suis quand même pas un grand fan de ça. Je pense qu'on va surtout nous rajouter de la défense. Alors, ici on en est où? Donc. My will be done. Ok, est-ce qu'il y en a d'autres par là? J'ai pas l'impression. Après, il faut aller bien plus loin. Bon, la question se pose, est-ce qu'on déclare la guerre ou pas? On serait bien placé pour l'emmerder là. Ok. Est-ce que tu peux choper quelqu'un, toi? 62%, ça se tente, hein. Et même ça se réussit. Du coup, on va prendre ça. Donc cette fois, je pense que j'ai tout joué. Alors, c'est parti. Non, toujours pas. Non, on va attendre. Ça, un peu que c'est important. Ça aussi. Ça non. Et les rivières rouges. Alors.
Ah oui, c'est là où j'ai dit qu'il me fallait... Donc il me faut des murs, et ça je vais le détruire en fait. Puisqu'il faudra que je fasse ça à la place. J'ai tout joué, je pense. Donc c'est parti. Alors par contre, ouais, Numas n'a plus de cible là. Je suis obligé de me barrer. Bah écoutez, cette bataille, on va la faire. Hein. Alors j'ai pas de très bonnes unités, mais on va essayer de se battre. Ça a l'air d'être assez équilibré comme ça. Toujours la même chose, hein, si on peut pas gagner cette bataille, on doit au moins affaiblir l'ennemi. Donc eux n'ont pas de tireur, je pense, à moins que cette unité-là, ou celle-ci, permette de tirer d'ailleurs. Alors j'ai une unité de cavalerie qu'il va falloir que j'utilise pour choper dans le dos les Saurus là. Alors, on n'a pas de mage. Je pense que le terrain est pas mal, là. Donc, on va se s'arc-bouter ici. On va mettre nos archers là. La cavalerie ici. Et mes volants par là. Allez, c'est parti. Pas si je suis de taille, ouais, ça m'étonne avec choix de taille, donc on va reculer. On va essayer de ramener tout le monde vers nos archers. Utilisez vos compétences spéciales. Voilà, c'est exactement ce que je voulais. Allez, tu vas venir ici. Allez, celui-là est déjà en fuite. Reviens par là, toi. Alors par contre, là, vous voyez que je vais souffrir sur ces unités-là. Allez. Il faut que moralement j'arrive à tenir. On va sortir ma cavalerie. Et on va refaire une charge. Allumer ce qui arrive derrière.
Ça va être chaud quand même. Allez, recharge. Parti, mais là ça va pas du tout. Allez. Il me dit que la victoire est à portée de main. Moi j'en suis pas sûr en fait. Hein. Allez, les volants sont morts. Ok, là aussi ça va lâcher normalement. Vous voyez, encore à corps, hein, je suis pas bien. Ainsi c'est passé, dites donc. Donc, il faut qu'on suive tout ça, nous. Alors, cavalerie, tu vas te prendre celui-là qui est parti loin. Ici, je veux le chef. Je les veux tous. Alors je vais peut-être avoir les Anubis là. Ça va m'aider. Contrôle chef. Ah, c'est pas sûr. Pas sûr que je l'attrape. C'est bon. Allez, on va accélérer. Je pense qu'il va fuir. Et je vais pas avoir les Ushbati. Les Ushapti. Oh là là, j'y arriverai jamais, c'est pas possible. Je pense que je vais bientôt vous montrer, peut-être à la fin de cet épisode, en petit cadeau, je vous montrerai la photo d'un char que j'ai peint à cette période. Un char qu'on appelle un Hellhound. Je suis assez content, j'aime beaucoup ce que j'ai fait. Je suis en train de peindre une nouvelle armée à Warhammer 40 000. C'est un projet que je me suis fixé pour 2018, que je viens de commencer. Donc bah, je vous montrerai peut-être quelques photos comme ça, peut-être des vidéos ensuite pour parler du projet, à voir. Je crois que je vais... Non, on s'en fout, c'est une garnison de toute façon, on peut y aller. Hein. Vous voyez comme il est résistant, j'arrive pas à lui faire de dégâts. Hein.
Mes archers ont plus de munitions de toute façon. Ouais, 1300 PV. Oui, donc je vais peut-être vous montrer une petite photo, on va voir. Dans quelques temps ou à la fin de cet épisode. Pour ceux qui sont fans du hobby, de ce qu'on appelle le hobby. J'avoue que ça faisait longtemps que je m'y étais pas intéressé, et puis là... avec la nouvelle version de 40 000 sortie en juin dernier, le codex Astra Militarum, tout ça, ça m'a redonné envie de me plonger là-dedans. Donc voilà. Allez, 700 PV là. Cent, 150, 66, parti. Donc à ce stade là ils devraient plus pouvoir recruter maintenant, puisque je crois que leur... Alors on va prendre les vases évidemment. Et si, ils peuvent encore. Ça, il faut que je le fasse. Donc à ce stade là j'ai pas mal d'argent, mais j'ai 150, donc on va faire, donc on a dit soit ça, voilà, on va prendre ça. Dès qu'on aura 300, enfin 150 et puis encore 150, on fera ça, ce qui nous permettra ensuite d'aller chercher ça. Tant qu'on pourra pas faire ça, on achètera des personnages. Ok, donc ça c'est bon. Cetra vient ici. Alors, toi, t'es monté. Au niveau des sorts, t'en étais où? On va faire ça. On va faire un siège là-dessus. On va revenir ici. Parce que je pense que cette armée, elle sera notamment dans le groupe expéditionnaire qui va attaquer les elfes. Une blague? Oh là là. Arise, my legions. On la fera peut-être en automatique, c'est à voir. Toi, tu viens ici au plus vite. Alors, est-ce que j'ai tout joué? Alors, tu dois avoir un malus, ouais. Donc, tu vas juste venir ici. Ok, tout ça, c'est bon. On va faire ça par principe et j'en sais rien. On va faire ça.
848, donc c'est tout. Allez, je passe le tour. Ah, Lauterne a pris une claque, il semblerait, là. Ah, va falloir quand même regarder un peu au nord ce qui se passe, d'ailleurs. C'est très amusant, ça. Oh oh, il m'a blessé un de mes agents. Ok, donc là j'ai pas 150, donc on peut pas faire ça, donc on va chercher. Alors je vais reprendre un prince ici. Alors, je crois pas qu'il y ait de différence entre ces différents princes. Donc on va faire celui-là. Et ouais, c'est bien ça. Toi, tu vas venir ici. Et toi, tu vas te refaire par là. Alors, sachant que ça, je vais fusionner. Ça... On va faire ça, ça et ça. Et on va recruter un truc rapide. Genre ça. Ah, c'est ton prêtre qui s'est fait shooter, je pense. Donc, tu vas aller chercher le trésor, mais surtout t'iras dans les îles. Ok, donc... Parfait, c'est vraiment parfait. Donc... Donc on vient ici. Alors je crois qu'il y a une très grosse garnison ici, donc on pourra pas comme ça s'en charger. Ok, est-ce que tout le monde a bougé? Ici, c'est normal. Moi je pense qu'on va y aller, hein. Ils l'ont pris comme ça. J'ai fait n'importe quoi, évidemment. Faudra que tu viennes ici. Alors. Alors ça... Je suis pas sûr que j'avais cette ressource encore. Donc on va détruire ça, je pense. Ça, on va l'augmenter. Ça, on va l'augmenter aussi. Il me reste 3000. Terre des assassins. Non. Ça, on va le faire. Et je crois que c'est à peu près tout, parce qu'ici... Qu'est-ce que je voulais? Ouais, c'est ça. C'est ces bâtiments-là, donc... Seigneur, mon déplacé, c'est toi. Allez! Au prochain tour, je vais faire le point sur la longueur de l'épisode pour voir si je m'arrête ou pas. On va fuir.
bizarre qu'il n'y ait pas la barre là. Alors, le problème c'est que évidemment il recrute. Eh bien tant mieux si vous êtes heureux. Alors j'ai pas les 150, donc on va aller chercher. Alors Nécro... Ouais, je vais pas aller chercher ça. Prince des tombes. Allez, là on va prendre un prêtre d'éliche. Alors du coup, si je fais ça... Donc un prince des tombes. Résistance physique, c'est pas mal. Ça, c'est très bien aussi. Son of Nehikara, we move when I'm ready. They challenge me. Shatter their bones to battle for the Creator God. Witness my eternal majesty. Alors. On a des tas de trucs qui nous intéressent. Alors c'est marrant, l'atelier d'alchimie, c'est le... Ah bah oui, d'accord. Donc c'est plutôt vers le sud. C'est ce qui me manque dans ma campagne aux elfes, en fait. Ok. Donc tout ça, c'est très bon. Et même, il me reste de l'argent, dites donc. Faire ça, surtout quand on sait ce qu'on sait. Donc là j'ai plus l'argent pour le faire, mais... donc ça on est reparti. Ça empêche au moins normalement qu'ils poursuivent le recrutement, hein, si je ne m'abuse. Donc ça c'est 7 rats. Alors Cetra, il va se remettre. Victory in undeath. He means nothing. Alors niveau 10, qu'est-ce qu'on peut faire? Commandement plus 5. Alors qu'est-ce que t'as dans ton armée là? Ouais. Surtout les gardiens des tombes, dites donc. The Lich Priests have me wary. Ouais, c'est pas mal aussi ça. On va faire ça. Submit to your king. Attend your king. Make way. Peut-être voir si tu veux m'attaquer, mon gars. Donc ça c'est mon prêtre. Donc tu vas rejoindre ici. Qu'est-ce qu'on avait d'autre à faire? Donc toi, t'es parti. Et toi... Donc, tout le monde a joué là? Alors... Il va peut-être m'attaquer, hein. J'ai peut-être, je suis peut-être allé un peu vite là. Donc, toi, tu vas prendre ce trésor et tu vas venir par là. Ok. Ah bah toi, tu vas venir là-bas en fait. ...4000, Terre des Assassins, on a dit non. Rivière Rouge, est-ce qu'on peut le faire? Oui. Ok,
Alors, l'autre chose que je voulais vérifier, c'est qu'ici, il reste encore 4 tours. Parce que là, la corruption vampirique va augmenter. Alors, c'est vrai que j'ai mis l'intégrité un peu tôt, en fait. Mais il faudra surveiller ça. Alors, puisque je suis là, d'ailleurs... Ok. Allez, on va passer encore un tour. Dégage. Est-ce que tu vas me poursuivre? Non, toujours pas. Marvel at my pyramid. Know that you will never achieve. Un accord commercial. Alors, ils sont en guerre avec Lotherne. Non. On va pas faire ça. J'ai pas vraiment besoin d'argent. Et je voudrais pas que l'argent que je leur donne leur permette de se sauver. Si je fais la victoire par domination, il faudra effectivement que je les tue. Donc on va pas faire un truc comme ça. Alors, bah écoutez, là j'ai 150. Donc on va faire un de ces trucs là. Riposte, c'est pas mal. Ouais, on va faire surtout ça. Donc plus qu'un et j'aurai... la possibilité... Alors si je fais ça, ça marche ou pas? Alors du coup, peut-être même que je vais pouvoir la jouer là. Non. Ok, donc à ce stade là c'est quand même tentant. Alors on va venir ici. Et on va accoster. Là, les deux, vous arrivez ici. Vous avez voulu jouer, on joue. Alors, je sais plus du tout. Toi, tu vas venir là. On va pas le lancer tout de suite. Je voudrais être sûr de les choper en fait. Donc ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et ça aussi. Ok, il reste 10 000. Alors, on va faire le port, on va faire les murs, et on va faire ça. Donc là, il me reste plus que 5 000 maintenant. Rivière rouge, bon, on va faire ça, puisqu'on a besoin de croissance. Quand on aura récupéré Zlatlan. Alors, à ce stade-là, on faisait quoi déjà? Je sais même plus ce qu'on fait. Bah si, on fait ça. Ok. Bon, je vais donc vérifier où j'en suis dans cet épisode pour voir si on continue un peu ou si on s'arrête là. Donc, à tout de suite ou au prochain.